Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mais depuis... non plus en fait, mais depuis toujours en fait. Oui. J'ai commencé depuis septembre 2009. Septembre 2009. À avoir des douleurs de genoux. Alors en fait, je faisais beaucoup de vélo de course. Oui. Donc c'est certainement un trop plein de vélo associé à une mauvaise position sur le vélo. C'est ça. Oui. Qui a provoqué. Donc c'était dans le genou droit, une douleur au niveau du genou interne, particulièrement les tendons de la patte bois. Oui. Et je me suis arrêté de faire du sport, on m'a conseillé d'arrêter de faire du sport. Oui. Et au fur et à mesure, comme je faisais plus de sport, cette douleur n'est jamais partie. Ça commençait au genou droit. Oui. Et après, il y a eu la même chose au genou gauche, alors que je ne faisais plus de sport. Ouais. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, ces douleurs tendinitaires sont devenues musculaires dans l'ensemble du corps, particulièrement le dos, dans les mains, ici, dans ces doigts-là, parce que je fais du violoncelle, moi je fais du violoncelle. Oui. Et donc j'ai commencé à avoir des douleurs dans ces doigts-là. Oui. Donc le dos c'est très embêtant, principalement le haut du dos, plutôt le côté droit, mais ça peut partir à gauche, monte dans les cervicales, ça atteint le lombaire. Et depuis je dirais 2 ans, et depuis 1 an de façon assez intense, les pieds. À chaque fois j'ai l'impression que ce sont des contractures musculaires. Qui ne partent pas et qui tendent de plus en plus mon corps. Donc je fais beaucoup de séances d'ostéopathe, de kiné, de relaxation, d'étirement. D'accord. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'essaie de reprendre le sport, soit les genoux lâchent, soit le dos lâche. D'accord. Et donc, je suis toujours en train de faire. Enfin, j'ai toujours une douleur quelque part dans mon corps. D'accord. Et j'essaie de. D'accord. Et vous avez fait un IRM, non? Ah, j'ai fait. Au niveau des genoux, j'ai fait tout ce qu'il fallait. IRM, arthroscanner. J'ai fait aussi une scintigraphie osseuse. Ouais. En termes de recherche, j'ai fait énormément de recherches. Donc, au début, mécanique. Ouais. On m'a toujours dit que j'avais rien. Il n'y avait pas d'atteinte. Au niveau des tendons, ni au niveau, surtout cartilagineux. D'accord. J'avais des cartilages de bébé, donc ça allait bien. Et puis après, comme on voyait qu'il y avait tout le corps qui était atteint, on a fait des recherches biologiques de maladies inflammatoires, auto-immunes. D'accord. De maladies de Lyme, enfin, ce genre de choses. J'ai fait des recherches neurologiques pour savoir si c'était pas un dérèglement du système neurologique. Et les médecins constatent, c'est dû à quoi? Pour eux, ils savent juste que j'ai mal. Quand le kiné m'ausculte et quand mon médecin m'ausculte, il se rend bien compte que mes muscles sont soit tendus, soit fibreux, dans des zones bien particulières. D'accord. Ce qui veut dire qu'effectivement mes muscles ils souffrent à cet endroit-là, mais C'est pas le fait que vous portez trop lourd, non? Alors, au final, il a fallu que j'adapte ma vie, puisque ça fait depuis 2009. Tout ce que, enfin, quand je porte mon violoncelle, quand je porte mes valises, quand je porte mon ordinateur sur mes épaules, c'est ça. Tout me fait mal. Et alors, au début, ça allait de plus en plus, plus le temps avance, moins je peux faire de choses, moins je peux porter. Ouais. Avant, lorsque j'avais juste les genoux qui me faisaient mal, j'arrivais quand même à porter des choses. Maintenant, comme c'est le dos, les genoux et les pieds, ça réduit mon rayon d'action, de marche, et puis de choses que je peux faire. La vie quotidienne en est forcément impactée. Je suis à la recherche de tout. C'est pas une solution, mais tout méthode qui puisse me soulager les douleurs. Parce que j'ai l'impression que
Okay, je ne sais pas si elles vont arriver vraiment à partir, mais en tout cas, faire en sorte de pouvoir améliorer ma qualité de vie, puis amender les douleurs pour que... D'accord. Est-ce que vous pouvez se lever un peu? Lever et marcher pour voir? Oui, lever, oui. Oui, il marche un peu, oui, dans le couloir pour voir. Non, apparemment. Alors, je porte... Oui, porte. Vous essayez de s'asseoir pour voir? Comme ça? Oui. Encore? Descends encore? Oui, encore? Oui, apparemment, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, je vois. Ouais. Retournez. Vous levez un peu les jambes. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment voilà, vous stoppez. Sentez maintenant. Je me sens bien, c'est-à-dire que je sens. Regarde-moi. Je sais pas comment dire, mais effectivement, les jambes sont plus légères, il y a moins de tension. Il y a encore un peu une tension générale à gauche, mais c'est moins que tout à l'heure. Oui. Et ça tire ou non? Côté gauche. Ça tire un peu, mais j'ai l'impression que c'est. Je sens vraiment ma circulation sanguine qui est très chaude ouais. et qui fait beaucoup de bien, je sais pas comment. Ouais. Voilà, restez là et vous dites comment vous sentez maintenant. Je sens les jambes qui sont... Restez là et vous dites comment vous sentez. Je sens les... Alors déjà je suis assez... je suis assez excité mais je sens les jambes qui sont très détendues. Mm-hmm. Regarde-moi. Je sens des impressions de chaleur qui remontent dans les jambes. Oui. Et les jambes derrière sont ouais. très détendues, ce qui fait que j'ai l'impression que... aussi bien les genoux mais le bassin ouais. Et c'est très souple et beaucoup ouais. ça remonte jusqu'à la cage thoracique ouais. et j'ai l'impression de pouvoir mieux respirer ouais. Bon allez au fond et retournez pour voir voilà reviens voilà stop essayez de s'asseoir pour voir stop. Ouais, s'asseoir, voilà, et remonter, encore une fois, voilà, et comment vous sentez maintenant? Je me sens bien, ça craque un peu à droite et gauche, mais ça va bien. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mau mạch, môn chữa lành cho nhau,
bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.